Il existe dans la région de Bordeaux une grande diversité de terroirs et ses viticulteurs ont su s'adapter à toutes ces particularités. Carole, vous êtes viticultrice dans l'Entre-deux-Mers, un peu comme ici. Oui, l'appellation Entre-deux-Mers se situe entre la Garonne et la Dordogne, nos mers à nous. Cette configuration influence le terroir et le choix de nos cépages. Quels sont les cépages cultivés dans ces vignes ? Plusieurs cépages sont plantés. La Sarre reste le Sauvignon. Élevé ici, le Sauvignon a une vraie particularité due au terroir. Et ça fait longtemps ? Ça fait plus de 2 siècles que l'on travaille ce terroir. Les techniques évoluent, mais le plus important, c'est le froid. Par exemple, on vendange tôt le matin, on vinifie à froid pour préserver sa fraîcheur. La signature du cépage Sauvignon, de l'AOC Entre-deux-Mers, est l'expression d'une géographie unique en France.